J'en sais foutrement rien, Gaspo. La meilleure soirée, nous dit Kios. Avis partagé, monsieur Eugène? Comment ça, Grenesis? Merci Dawid Dawid pour les sentiers. La game? Moi je l'ai dans la navigation salon, ouais. Ok, bon, on va lancer. Ça roule BG. Hein? Tu devrais bien aimer celle-là au GN. Ah bah oui, c'est une island effectivement. Ah, intéressant. Allez, vas-y. À toute. Ouh, c'est intéressant ça. Très 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 intéressant. Je vais attendre qu'ils aient lancé la game pour dire pourquoi c'est intéressant. Et je vais attendre aussi que Sylvou revienne pour partager mon expertise, mon avis. Très bonne soirée, je partage cet avis. Ah d'accord, Genesis. Je croyais que t'avais dit avis partagé dans le sens mitigé, mais c'est moi qui suis con. Autant pour moi. Je vais pas te mentir d'être à la place de Wolf, écrabouille Margou et prendre de la thune, meilleur combo. Je suis mort. Oh la 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 Ozitin, la glissade des 25 subs, Ozitin. Oh, ça glisse ce soir. Hein. Ce soir, c'est la glissade à l'infini. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a de la glissade. Ah, il y a la glissade de 25 subs, là, au calme, de Ozitin. Ah ouais. Ouais, ça a glissé comme Jaja. Ozitin. Incroyable, Ozitin. Merci infiniment, mec, pour cette glissade. Putain, c'est ouf. Merci beaucoup. Ça glisse, hein, ce soir. Ah, ça glisse, c'est la soirée, la glissade. Incroyable, merci beaucoup aussi, c'est très gentil mec. Il y a encore des non-subs ici. Aïe aïe aïe. Bon, est-ce que t'es prêt? Et regarde du coup la map que Margot a choisi, je trouve que c'est très intéressant, regarde. Attends, tu me prends de court. Hein. Ah, excuse-moi. Aïe 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 aïe. Alors la map. Ah bah je la vois pas. Enfin je vois la game mais en placement il y a écrit plein de petites étoiles. Bah c'est Island. Ouh aïe 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 aïe. Vas-y je fais le décompte et on débrief. 3, 2, 1, let's go. Merci beaucoup Gaspo pour les 500 cheers. Merci infiniment mec. Qu'est-ce qu'il a marqué? Kios et le The Viper français. Ah ok d'accord Gaspo. Bon, venant d'un mec qui joue à la voiture téléguidée, on va se passer de ton expertise Gaspo. Mais merci d'avance. Téléguidé putain tu me tues. Téléguidé. Ça rajoute vraiment un truc genre de naze quoi. Ça fait vraiment le gamin qui joue avec sa petite voiture. Ouais. Laisse-nous dans la cour des grands Gaspo. Je suis mort. Aïe 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 Gaspo qui dit Kios qui dit merci Gaspo c'est le sang. Me fermez là, monde de macaques. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui, bien sûr. Oh, attends, on a Grenesis qui vient d'offrir un sub à Enfant Lucas. Merci beaucoup, Grenesis, qui vient d'offrir son 38e sub. Merci infiniment. Mais du coup, pourquoi Island? C'est un choix intéressant. Enfin, surprenant en tout cas. Parce qu'à mon sens, Wolf est plus fort que Margou sur Island. Mais ça, peut-être que Margou ne le sait pas, en fait. Ouais, mais peut-être que Margou n'a plus d'autres maps aussi. Bah si, bien sûr que si qu'il y a d'autres maps. Margou, ils se sent pas à l'aise sur les autres maps. Ah ouais, ok. Bah attends, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir du coup à la place de Island? On aurait pu avoir Eldorado, Marais d'Or, Arena, Baltic et Socotra. En vrai, En vrai, il y a du choix. Hein, Et je pense que sur Arena, Margou, il a peut-être plus de chances que sur Island en vrai. Mais du coup, peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il sait pas que Wolf est à l'aise sur Island. En tout cas, moi, c'est ce dont je me souviens. J'ai le souvenir d'un Wolf qui maîtrisait le sujet, quand même, un minimum. Donc, on verra bien si je me trompe ou pas. Ouais, moi, j'ai le souvenir d'un Wolf qui disait que la Island du ladder, là, Team ouais. Island, ah ouais. N'était pas du tout bien pour le 1v1. En tout cas, il avait des avis assez clairs et assez tranchés sur le Team Island et Island. Ah bah oui. Il a l'air de bien apprécier Island. Ah bah oui, mais non, mais de toute façon, là-dessus, il a 100% raison. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Pour du 1v1, Island, c'est beaucoup mieux que Team Island. Ouais. Et merci du coup à Dawid Dawid qui vient de gifted un sub également. Merci infiniment, mec. Qu'est-ce qu'il nous fait, le bon Wolf, là? Il nous ramène le sanglier avec le scout. Sur Island, toujours.
Bah oui, parce qu'en fait, t'as pas besoin de ton scout en fait. Ouais, c'est vrai. Donc plutôt que de monopoliser un pion qui travaille pas, tu prends ton sanglier avec ton scout en fait, tout simplement. Je savais pas ça. Pas de soucis, c'est cadeau. Ouais, merci mec. Pas de soucis. Analysons les maps quand même. Quelle civ ils ont les deux connards là? Italien et viking. Intéressant. Deux civs qui se prêtent totalement au jeu. Hein. Donc très intéressant. Bon, moi vous me connaissez normalement. Je préfère les vikings forcément. Mais italien très très bon. Hein. On l'a vu lors de l'Empire Showdown. Très 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 bon italien. Pourquoi italien? Ouais, c'est bien. Top tier. Ouais. Bah, déjà parce que ça peut plaisage avec moins de ressources, Gaspo. Donc en fait, tu peux faire des grush. Beaucoup plus rapidement, EP plus féodal beaucoup plus tôt avec les Italiens, vu que l'âge féodal coûte moins cher. Et il me semble aussi qu'ils ont un bonus sur le naval, mais je sais plus lequel exactement. Un bonus exceptionnel au GN. Navire de pêche, moins 15%. Non, c'est pas ça. Ah non, bah si, c'est ça. Oui, non, mais il y a ça, mais il y a aussi coût des technologies du port qui est divisé par deux. Enfin, ah ça, ouais, c'est fort. C'est vraiment incroyable. Ah ouais, non, c'est fort de ouf. C'est fort de ouf, mon gars. C'est surtout que les technologies dans le. Dans le port coûte excessivement cher. Ouais, complètement, complètement. Donc, Après, on s'y retrouve aussi avec Viking, hein, qui ont les ports qui coûtent moins cher. Donc, c'est pas déconnant. T'as la brouette qui est gratuite avec les Vikings aussi. Donc, en vrai, en termes de bonus, je pense que les deux civs s'y retrouvent. Et l'avantage, c'est que sur Château, t'as les Drakkars avec Viking. Oh non. OGN. Qui est pas ça? Le navire de pêche de Margot, est-ce qu'il pêche là? Ah ouais, effectivement. Ah ça y est, il vient de commencer. Ah non, regarde, il pêche pas. Il est à 1. Ça y est, il s'en est rendu compte. Ok. Par contre, alors, le port de Margot, l'emplacement du port de Margot, à mon sens, il est mauvais, mais il peut se justifier s'il décide de partir sur un fast rush. Si on fait un fast rush, souvent on décidera du coup de docker devant pour arriver plus tôt chez son adversaire. Mais du coup le problème c'est qu'en dockant là, bah il a que très peu de gros poissons. Bah Wolf aussi du coup. Ah non mais tu parlais de Wolf là, parce que t'as dit Margot. Non mais parce qu'en fait Margot aussi, pour le coup je suis pas fan de son emplacement, sauf si lui il décide de faire un fast rush. Mais Wolf c'est encore pire, j'avais pas vu Wolf, mais Wolf c'est encore pire effectivement. Margot il faut qu'il dock à l'avant de toute façon, vu qu'il va faire des galères d'incendie au début. Bah ouais, mais du coup Wolf c'est encore pire pour le coup. Oui non, Wolf c'est catastrophique, il a un poisson là. En fait... Un autre un peu loin. Quand on est sur Island, les gars, il faut jamais docker comme ça dans le bac, sachant qu'en plus t'as le bord de la map qui est collé à toi, parce que tu sais très bien qu'il y aura du coup que très peu d'eau, et que s'il y a très peu d'eau, bah forcément il y a que très peu de gros poissons. Du coup, quand bah, tu te retrouves dans le cas de Wolf là, ce qu'il faut faire absolument, c'est docker à l'endroit où t'as sensiblement le plus de surface d'eau, et donc bah là il aurait fallu qu'il dock là en fait, pour être sûr d'avoir beaucoup de poissons. Ouais, le plus safe, mais là où il y a le plus de. Voilà, le plus safe, mais là où il y a le plus de poissons, donc typiquement vers là quoi. Et encore une fois, le deuxième port de Margou qui va lui servir exclusivement à produire des bateaux, mais pas du tout pour la pêche. Ouais, c'est vraiment dommage ça aussi, ouais, de pas plus étaler ces ports. Vraiment, vraiment dommage. Et oui, tu peux, Dawid, choisir à qui tu veux offrir un sub. Tu cliques sur le pseudo de la personne concernée et après il y a marqué offrir un abonnement. Après, Margou, pour le coup, il peut pas savoir qu'il y avait une île devant lui sur le premier dock. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il peut pas s'en rendre compte, donc c'est juste un petit manque de chance, ce doc. En tout cas, les deux joueurs qui vont up en même temps. Effectivement. Oh, on a un navire de transport! On a un navire de transport qui pop! Oh, il a droppé dans le lac! Oh, je suis mort! Oh non! Oh, je suis mort! Oh, il en a fait un deuxième du coup! Oh, je suis mort! Et là, c'est un bug. Oh, je suis mort! Oh putain, je suis tellement. Oh là là. What? What? Oh, c'est chaud, mon gars. Ça c'est terrible. T'imagines, tu perds la game sur ça, gros? Je suis mort. Vas-y, insulte-moi. T'es un peu grosse mouille. Gras, gros. Oh mec, excuse-moi. Oh là là, regarde le bateau. Quoi? Il va voir le navire. Ah ouais, effectivement. Oh là là, le timing de Wolf est catastrophique. Ah là il déchatte. Là il déchatte à l'infini, hein, Wolf. Hein. Oh mais j'ai l'impression que Margou l'a pas vu, gros. J'ai l'impression que Margou l'a pas vu. Attention à Wolf. Mais le navire est vide en fait. Oh là là, Wolf, ça y est, il l'a vu. Il doit l'avoir vu normalement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et oui, regarde le navire d'incendie. Oh là 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 là, vite, il faut partir. Oh, ils vont se croiser. Bouillard de guerre. Oh, il l'a pas vu.
Incroyable. Oh là là, je crois que cette game va nous donner du beau spectacle, les amis. Le navire de transport a donné le ton. Ah mais il est pas naïf. Et regarde le Wolf, ouais. Et Wolf aussi pas naïf, hein, regarde. Il fait bien le tour, hein, Wolf. Hein. Ouais, mais il y a un scout. Il y a un scout pour Margot. Ouais, ouais, il prend le temps de scouter son île, bien vu. Oh là là, quel manque de chance pour Wolf. Allez, Wolf qui va. Oh, regarde-le, le scout qui arrive au même moment. Oh là 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 là, mais c'est infâme de déchâter autant. Le land qui, du coup, bah. Oh, par contre, par Gougou, là, il faut annuler le port. Et c'est bien joué, ouais, ça, pour Margou. Ouais, très, 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 très bien vu, ouais. Caserne qui est sorti. Peut-être faire un petit wall là en haut pour empêcher les unités de faire le tour de ta base. Ouais, il peut waller en plus avec la forêt là, notamment. Bah, je suis pas fan de ce wall. Ouais, le wall du haut là est bien. Ça empêche Wolf de faire tout le tour. Ah, c'est un coup dur quand même pour le loup d'argent là. Bah ouais, il perd tous ses fiches. Déjà, il perd ses fiches. Le land qui perd totalement son effet de surprise. On investit dans un navire de transport qui sert à rien. C'est un vrai, vrai, vrai coup dur. Attention, Wolf, pas perdre le scout. C'est bien joué. Et on a Ray Ray qui vient de reset pour le troisième mois et qui dit « Des showmatchs comme ça, on en veut plus souvent. Merci pour des ton contenu. » Des showmatchs comme ça, on en veut plus souvent. Merci pour ton contenu. Bobard, bleu, émoticône, clignant de l'œil. Merci infiniment, Ray. C'est très gentil. Le message plus que le reset pour le coup. Merci beaucoup, mec. Et là, Margot, faut pas s'endormir. Il faut vite enlever des péons alors là. Là, ce qui serait besoin de faire des galères d'incendie. Ce qui serait peut-être intéressant pour Wolf, ce serait peut-être de poser une tour sur la pierre principale de Margou. Et c'est ce qu'il fait. Oh là, j'aime bien ce qu'il est. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que si la tour arrive à popper, derrière ça pop. Enfin, ça prend, je veux dire, la seule pierre qui était potentiellement exploitable pour Margou. Ouais, mais il aura quand même deux ors safe pour un. Bah, c'est ça. C'est une déjà énorme partie de la game, quoi. Ouais, et en plus de ça, il peut faire une tour en réponse avec plus de villageois aussi. Et du coup, peut-être faire popper sa tour avant celle de Wolf. Accessoirement. Et c'est ce qu'il fait. Ouais, tour en réponse bien. Là. Ouais. Elle est très très bien cette tour de Margot. Ouais, elle est très bonne. Margot qui réagit très bien là pour le coup. Hein. Margot qui est concentré. Hein. Et Kios qui gift un sub à One Gel. Merci beaucoup. Oh là 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 là, sous le forum Wolf. Aïe. Oh, il a c'est tout terrible. Donné, ouais. Il voulait à tout prix l'intercepter. C'est terrible. Ah, c'est fini. C'est quasiment GG. C'est là. Fini, ouais. En même temps, ça me fait. Enfin. Je pense que depuis le moment où le bateau s'est retrouvé dans le lac, c'était perdu. Genre, c'était sûr que la game allait s'enchaîner comme ça, genre. Oh, il a tellement déchaté, Wolf. C'est terrible. Ah, là, c'est du jamais vu. Ouais, hein, c'est du jamais vu. C'est terrible de se dire que. Que tu donnes. Enfin, tu perds une game avec. Avec autant de malchance, c'est terrible. Parce que du coup, ça va se terminer en 4K, en 3-3 cette histoire. Et là, par contre, autant dire que sur la dernière game, il va y avoir une sacrée pression chez les deux. Hein. Oh là, m'entends le temps. Oh putain, la pression. Là, à mon avis, les mecs, ils doivent avoir chaud. Hein. Je pense qu'on peut même leur autoriser une douche avant la dernière. Hein. Ah, clairement. Et Nicole qui dit, c'est pas fini en vrai. Bah, ce qu'il y a, c'est que Margou, il profite pas assez du bonus de l'eau en fait. Il fiche pas assez là. Il a gagné l'eau, il faut ficher. C'est vrai. Parce qu'on peut le voir au niveau des villageois, c'est très semblable. Wolf ici, il a quelques archers. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir là, c'est que Wolf il reprenne son bateau de transport et qu'il prenne ses archers et qu'il les fasse transporter de l'autre côté en fait. Ouais. Après bon bah ouais, il peut en transporter que 5 hein. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que quand tu landes comme ça, en général ce que tu fais c'est que tu gardes quand même ton bateau de transport à côté au cas où. Et là il l'a ramené dans son île de départ sans trop savoir pourquoi. Ouais, mais regarde Margou, il est intelligent hein, sur cette game. Regarde au nord là, au nord de la base de Margou, il a laissé une galère d'incendie exprès ici pour compléter le wall en fait. Elle était en patrol juste au-dessus du mur. OK. Et ouais, regarde, elle va retourner en patrol. Et c'est plutôt très très bien joué de la part de Margou. Waouh, Margou qui fait une tour au niveau des docks de Wolf qui fait une tour pardon au niveau des docks de Margou. Je suis pas fan. Non, je vois pas l'intérêt en fait. À mon avis, il voulait peut-être deny des poissons ou tuer les bateaux de pêche, mais en vrai, c'est pas pertinent du tout pour le coup. Bah non, pas du tout. Ouais. Surtout, je me demande combien de flèches il faut pour tuer un bateau en plus en mouvement. On a un Wolf qui clique château, cela étant dit. Où en est Margou? Allons voir ça. Oh, il en est loin.
Il en est loin quand même, hein. Oh, le beau. Il en est loin. Et Margot qui donne du, de l'archer. Ouais, il est bloqué en pop en plus. Attention, attention, bah, Margot. Il en est loin, mais il a trop d'or en fait. Il a bien 700 d'or en banque là si t'enlèves les archers, même 800 d'or en banque. Si t'enlèves les archers dans la barre de prod. Donc. C'est pas fini en fait, hein. Là, j'ai envie de dire que ouais, tout est possible. Je pense que là pour Wolf, l'optique c'est atteler le siège dès que t'arrives château. Amélioration des archers en crossbow et commencer peut-être à pêcher. Mais Wolf est sous pression, hein. Chez lui là. Ah oui, effectivement, il y a des archers dans l'économie, j'avais pas vu. Oui, OGN Gaming Community. Ouh. Et oui, effectivement, les archers, plus 1, plus 1, qui plus est. Ah ouais, coup dur, c'est une tour qui coûte cher, c'est une tour qui coûte très cher ça. Pourquoi ça, cette tour? Ouh là 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 là. Oh, ouais, c'est GG. Oh, c'est GG, GG. Oh là 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 là. Et cette game qui était finie, comme on le disait juste avant. Hein. Oh là game, là. Elle était bien finie. Ouais, ouais, elle était bien finie, j'avais pas vu, hein. Et Margot qui a quand même bien joué, hein, putain. Ouais, là, ouais, ouais. Game, gros sang-froid, gros sang-froid. Et surtout que c'était sa dernière game. Hein. Enfin, il avait plus le droit à l'erreur, quoi. S'il la perdait, il perdait le BO. Donc, il a eu un très gros sang-froid au moment le plus important du BO, je pense. Hein. Solide. Ouais, solide, solide. Mais on m'enlèvera pas le fait que Wolf a quand même pas mal déchaté. Au-delà du fait que Margot a très bien joué. Ça, c'est sûr. Interview avant la game? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, autant les laisser tranquilles. On va pas les faire stresser encore plus. Bah ouais. Et on a Grenesis qui gift un sub à Martin. Merci beaucoup, Grenesis. En tout cas, ce BO, on n'est pas effectivement sur les joueurs les plus forts de l'univers. On n'est pas sur du Viper MBL. Mais ça reste très agréable à regarder. Hein, puisque le niveau du coup est tellement similaire que. Ah ouais. Pour qu'il y ait un 3-3, en fait, c'est là où tu vois que les mecs sont vraiment au même niveau, quoi, en fait. Ouais, bah ouais, toutes les games sont assez équilibrées, bon, sauf ce... Mais même celle-là, en fait, elle était assez... Ouais. Juste que, bah, Wolf a un peu déchaté, ouais. Oh, c'est terrible. Ce bateau, en fait, typiquement, je sais pas comment c'est possible. Si ce n'est avec un point de ralliement hasardeux, est-ce qu'il aurait mis le point de ralliement dans le lac, tu vois? Je sais pas. Même un point de ralliement, parce que le bateau, de toute façon, il peut pas traverser le sable, donc... Bah ouais, mais tu sais, avec ce jeu, tout est possible, en vrai, hein. Genre, je sais pas. Ouais. Je sais pas, franchement j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Parce que si t'as un point de ralliement qui donne sur l'eau, le haut collé bord de map, il peut jamais popper dans ce lac en fait, c'est impossible. Non, non, impossible. Donc comment il pop dans le lac, si ce n'est en ayant mis un point de ralliement dans le lac? Non mais le point de ralliement il était peut-être pas mis au début. Non bah si, vu qu'il y avait les bateaux de pêche. C'est bizarre. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Il y a Oniju qui dit que le point de ralliement était au centre de la map. Ah oui, c'est pas con. Vu que le navire de transport... Bah ouais, mais non. Ah bah oui, vu que les péons, ils voulaient les faire partir de l'autre côté, peut-être. Ouais, si, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Si. Mmh, le navire de transport, en fait, il était au-dessus de la base de Wolf, ouais. De la map. Ah ouais, non, ça a clairement du sens. Mais du coup, ça a aucun sens. Mais du coup, ça a aucun sens qu'il pop dans le lac. Ouais, voilà. C'est ça. Ça a du sens, mais ça a aucun sens. Enfin... Ah, terrible hein, quand même. Hein. Je pense... Enfin, il y a de quoi vraiment être tilté, je pense, là, pour le coup de Wolf. Et j'espère que ça va pas le sortir de sa game hein, pour la prochaine. Hein.